Allez! Non merci. Non? Ouais, j'ai du boulot après mon jour. Ah là là, c'est vraiment une chance de vivre dans les beaux quartiers. Les gens ils critiquent les beaux quartiers alors qu'en fait, y a pas de raison. Je vois pas pourquoi on critiquerait les beaux quartiers. T'es bien là? T'habites toute seule ici? Non, j'habite avec ma coloc. C'est quoi là-bas qu'on va? Ça c'est le Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce, je connaissais pas. Paris est à nos pieds, Paris est à nos pieds, Paris est à nos pieds. Paris est à nos pieds. Prends-en un peu. Non merci, c'est adorable. Merci. Paris, Paris est à nos pieds, Paris s'emballe pour nous. Non. Bon, et tu fais quoi de beau toi en ce moment là? Je révise mes partiels là en fait. Partiel de quoi? Je suis en Master 2. Master 2? Ouais. Ça doit être dur ça, Master 2. Bah... Moi je connais pas trop, tu sais moi l'école j'ai assez vite arrêté. J'ai fait maternelle, primaire, collège, lycée. Okay. La fac c'était pas du tout ce que... Ouais je vois. Ce que j'avais envie de faire. Ce que je détestais le plus c'est de faire des devoirs à la maison. Ça me cassait les couilles. Bon, pourquoi tu m'as appelé Bast? Pourquoi t'es là? Ben non mais je passais dans le coin là, je me suis dit putain, Roxane. Ça fait un moment que je l'ai pas vue, j'avais une bouteille de champagne avec moi. Je me dis c'est l'occasion de passer un petit moment ensemble. Bah oui, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ouais. Oui. Bah non mais je suis surtout une pote de Paul moi à l'origine, je... Bah moi aussi je suis un pote de Paul. Non mais donc souvent les fois où on se voit c'est parce que... On est avec Paul en fait. Ça caille un peu non? Ouais. J'ai la goutte au nez là, ça se voit? On n'est pas vraiment amis, toi et moi. Mais on peut se voir sans Paul non? Les amis de mes amis sont mes amis, il me semble, c'est l'expression. Quoi, tu trouves que c'est bizarre qu'on se voit que tous les deux? Bah oui, un peu, non? On n'est pas amis, quoi. Ok. On n'a jamais été, d'ailleurs. Hein. T'es hyper blonde, toi. J'ai peur que t'es mal aux yeux, tiens. Si, c'est gentil. On est hyper bien, là. Ouais. J'ai un petit service à te demander, Roxane. Oui. Bon, tu sais, moi, là, ces derniers temps, c'était un peu dur dans ma vie. Tu sais, psychologiquement parlant, c'était un peu complexe, quoi. Il y a eu des... Oui. La traversée du désert, quoi. Tu vois, c'était... Je me suis pris des parpaings dans la gueule. Ah, je vois, ouais. Sens figuré, hein. Pas au sens littéral. Bastien, j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Ok. Mais bon, là, je me suis repris en main, tu vois. Je me suis remis au sport. Je pousse un peu... C'est bien ça, tant mieux. Ben oui, c'est super. Mais il me manque un truc, quoi. Ça va faire quoi, là? Ça va faire 2 ans que j'ai pas fait l'amour et... Ah non. Quoi? Non, ma réponse c'est non, Bast. Non. J'ai rien dit encore. Ouais, mais non. J'avais pas forcément te proposer de faire l'amour avec moi, hein, Roxane. Très bien, t'allais me proposer quoi, Bastien? J'aimerais simplement que... On passe une soirée ensemble, tu vois. Dans un lit. Bah donc tu voulais qu'on baisse quoi? Non, ça m'intéresse pas plus que ça. Le sexe c'est toujours la même chose. Le sexe c'est, ça dure 10 secondes. Ah non, je suis pas d'accord. Toi tu penses qu'on peut pas être tout nu l'un contre l'autre sans faire l'amour? Bah je sais pas, t'as déjà été avec une fille au lit non? Oui mais le fait est qu'avec Célia c'était plus pareil, tu vois, au bout de 5 ans de relation, c'est un peu comme prendre une douche avec ta sœur quoi, tu vois, c'est un corps qui t'excite pas ou qui t'excite mais plus. Attends, mais t'es dégueulasse toi. Non mais que tu vois qu'on se spoon, j'aimerais que tu me spoon, tu vois. Qu'on passe tous les deux une nuit comme ça. Tu vois, sentir un corps chaud contre moi et... Donc c'est non. De quoi? Ta réponse. De quoi? Pour qu'on fasse l'amour ensemble? Non. Justement. Pour pas faire l'amour avec Ah moi. Bah non. Ça, c'est mort. Non plus, oui, non. Ouais, je comprends, hein. En même temps. Ouais, et pourquoi moi? Que toi, Toi, je t'aime bien, déjà, et puis... Bah, je sais pas, t'es avenante, tu fais pas de chichi, tu vois. Quoi, je la baisse facile, c'est ça que t'es en train de dire? Avec toi, je me sentirais pas obligé d'être au top. Ok, merci. C'est juste que j'ai peur de pas être au top avec la femme de ma vie. Vu que ça fait tellement longtemps que j'aimerais faire l'amour avec quelqu'un d'autre avant... Bastien. Si c'est la femme de ta vie, c'est pas grave. Et puis... De toute façon, si elle te le reproche, c'est que c'est pas la femme de ta vie, c'est tout. Je sais pas. Bah ouais, c'est ça. C'est beau ce que tu dis. De quoi? Ce que tu viens de dire sur la femme de ta vie et tout, je trouve ça, c'est émouvant, bon. Je trouve. Ouais. Tu vois, là, ça me donne envie de t'embrasser, par exemple. Ça sert à rien qu'on s'embrasse si on baisse pas après. En fait, mon concept, il est un peu con, quoi. Un peu, ouais.
Ah, les femmes, ça. Mais non, mais putain, mais pas comme ça! Le champagne, merde! Mais t'es conne ou quoi? Je sais pas, on a...